Il est rare que je récolte des graines de radis, car il est rare que je les laisse pousser par manque de place. Mais parfois, ça arrive dans un bac, par exemple. Tout d'un coup, je me retrouve avec... des radis qui sont montés à la semence. Donc vous voyez en fleurs les cosses qui se forment. Et à côté, celles qui sont prêtes à être récoltées. Vous voyez, j'en ai quelques-unes dans la main que j'ai ouvertes et commencé à ouvrir pour d'autres. Mais ce sont bien des petites graines de radis. Donc oui, les radis, on est habitué à acheter des sachets car ça ne coûte pas cher. Mais si vous avez de la place, vous pouvez en laisser pousser quelques-uns. Vous voyez, après... le radis se décompose complètement, il a grossi, et voilà ce que ça donne. Oui, c'est les radis qui sont en fleurs et qui commencent à avoir des cosses. Je vais sûrement même les supprimer pour récupérer ce bac. Oui, c'est dans un bac parfois que je mets des radis à cette période-ci. En août, il fait trop chaud souvent pour en avoir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il en est resté. Peut-être même que c'est certains qui ont poussé des graines des années précédentes. Je ne sais plus. Donc voilà, je ne sais pas si vous également, vous récoltez parfois vos graines de radis ou si vous les achetez, car effectivement en France, les graines de radis ne coûtent pas cher. Mais vous savez, il y a quelques années, c'était également le cas pour les haricots verts, les petits pois, et maintenant c'est devenu un prix quasiment inabordable. Ici, mon cucan incubé où, malgré tout, le jardinage continue. Après mon sixième roman, la sortie du septième,